C'est parti. Rise up out of here, you buster. Ballers, you ain't got nowhere to go. You piece of shit. Je vais lui dire ça, le truc, mais. Ok. D'habitude, ils ont pas de pompe, d'habitude, les mecs là. Dick face. Ok. Can't stop balling, won't stop balling. Grab some cover ASAP. Bon. C'est bon? Ok. C'est la première fois que j'affronte cette team là. Ah bah le code il est là. Alors 02-12-87. 02. Alors 02-12. J'avais dit 87, c'est ça? Open the door. Voilà, on a les dossiers. J'espère que ça vaut le coup, les gars. On doit récupérer les dossiers de l'autre gang pour le ramener à notre poteau là. Du coup, il en manque un. Il est où? Merde! Non mais sérieux? Sérieusement? Monte, connard! Putain! Bah mon véhicule! Mais il est sérieux mon véhicule? Oh vas-y ta mère! Tant pis, je prends leur véhicule à eux. Hein. Pas prévu, les gars, mais mon véhicule, ils y retournent comme un abruti. Oh putain, leur voiture, elle est nulle. Oh les freins, c'est de la merde. Ok. Oh, on a quand même plus d'argent que les autres fois, moi. Votre bunker a reçu le contenu du coffre volé. Ok. Du coup, j'ai récupéré les. You have forgotten about me, my... Bon, on s'en fout de lui là. Bon, on sait pas trop ma sortie, mais je trouve que ma véhicule quand même que j'ai eu. Voilà, on va envoyer le véhicule pour l'instant. Ouais, on va sortir de la voiture. On a quand même un cadavre dans la voiture. Ça, j'ai rien. C'est le véhicule des balasses, quand même. Merci pour 16$. Du coup, les gars, alors ce qu'on va faire, je vais faire une petite mission. J'ai vu qu'il y avait un truc sur la carte. Il est où? Là. On va le récupérer avant de terminer la vidéo. On va aller du coup appeler notre véhicule. Parce qu'il allait aller réparer. On va aller directement là-bas. Récupérer le petit trésor. Pas le petit trésor, c'est de l'argent qu'on récupère. Moi je le fais souvent parce que du coup ça me donne un peu d'argent. Let's go. À la base je voulais faire un petit live, mais comme je vous ai dit, je vais attendre que mon abonné à qui je vais peut-être jouer me dit quand il veut jouer. Et ben on pourra faire un live à ce moment-là. Oula! Parce qu'en vrai, faire un live sur GTA, quand c'est solo, bah, tu fais toujours la même chose en fait. J'aime bien faire des lives sur GTA, mais c'est vrai que quand tu joues solo, bah, tu fais le tour. Hein. Genre, tous les trucs que j'ai déjà fait, bah, les fois où j'ai fait des lives où j'avais une pote à qui jouer, mais comme elle joue plus à GTA, elle joue à d'autres jeux maintenant, qui n'ont aucun rapport avec GTA. Donc, du coup, puis avec d'autres gens aussi.
qui joue pas du tout le même jeu que moi non plus. Donc, ce qui fait que... Trouver des gens à qui jouer sur GTA, il y en a plein, hein, mais pas sur PC. C'est ça le problème. J'ai beaucoup qui l'ont, mais sur console, PS4, ou Xbox One, ou même la Xbox. Mais S que je n'ai pas. La Xbox X ou X, je les ai pas ces consoles-là, donc du coup... Imaginez un truc, les gars. Si vous devez acheter le jeu à chaque plateforme différente, on va acheter à chaque fois une console différente pour jouer avec tous vos potes, vous commencerez le jeu à chaque fois. Vous devez commencer à zéro en plus parce que vous jouez pas sur la même plateforme. Parce que moi, je sur PC, j'ai pas. Vous avez bien vu le niveau? Je suis au 127. J'ai joué un petit peu, mais je change pas spécialement le niveau. Alors que sur la Xbox, à l'époque, quand je jouais, j'avais un plus gros niveau. Hein. J'avais le triple du niveau qui est là. Hein. Et tout ça en même pas quelques mois. Même pas un mois, je crois. J'ai dû rusher comme une malade pour... Ah, du coup, on n'est pas à ce qui est arrivé. J'avoue que c'est dommage que j'ai pas pu récupérer mon niveau que j'avais sur la console. Bonjour madame. Bon, faut attendre le pip pip. On cherche l'objet. Peut-être par ici. Il y a une petite maison là. Non. Ah, j'entends. J'entends un bip bip. Ah, il est là. Ouais, faut le voir, les gars. Sur le bip bip, on l'entendra même pas. 16 000 des munitions et des encas, j'ai vu. Colis, j'ai récupéré. Récompense, colis surprise. Du coup, j'ai des récompenses à chaque fois que je... Ça, c'est bien, c'est un nouveau truc sur GTA. Parce qu'il n'y avait pas ce truc-là avant. Dites-moi les gars, est-ce que vous avez... Genre GTA, il existe depuis 10 ans, on est d'accord? Est-ce que vous jouez encore en mode en ligne? Ou si vous jouez en RP? Et puis si vous jouez... est-ce que vous faites des petites missions comme ça? Comme moi, moi perso, j'essaie de découvrir tous les secrets de la carte, hein, si je peux. Faut que j'aille ici au bunker pour voir ce que j'ai, parce qu'il m'a dit que j'avais tous les trucs que je vole chaque fois. Vont au bunker, on va aller rapidement au bunker, les gars. On est à côté... J'avoue, j'aurais pu faire un live, hein, vu tout à l'heure que je joue. Donc, les gars, c'est. Il y a du monde qui joue sur PC. Si vous jouez comme moi, les. Enfin, je sais pas, les braquages de Casino. Ou les braquages de. Sur l'île de Perico. Si vous faites. Je sais pas moi. Plein de missions sympas. Dites-moi si vous faites genre comme moi. Si vous rushez. Les quêtes, les genres, par exemple, tous ceux sur les missions de bunker, les missions de boîte de nuit, les missions de motard, etc. Histoire de vous être le boss sur la carte, vous voyez. Comme dans les films où vous avez des gangs et tout. Moi, là, je joue comme ça, là, je dis. Genre, j'avais du monde avec qui jouer, mais ils jouent pas tout le temps, comme moi. Donc, j'avais aussi une meilleure amie avant qui jouait avec moi il y a très très longtemps, en 2019. Mais non plus, je joue plus bien. En même temps, elle a un PC, comment dirais-je, pas très puissant. Et elle galère à jouer avec 4 âmes, tu peux pas jouer correctement. Elle buguait trop et du coup, chaque fois qu'elle posait la partie, moi ça faisait échec à ma mission. Donc c'était un peu galère de jouer correctement. Enfin, c'est compliqué de jouer quand tu n'as pas un PC adéquat. C'est pour ça que je joue avec des gens, faut que... Vous avez un bon PC pour jouer avec moi. Sinon, vous buggerez tout le temps et vous ne saurez pas jouer quoi. Bon, on va d'abord au bunker, voir ce qu'il y a de beau. J'adore l'animation à chaque fois, quand le bunker s'ouvre. Je trouve ça trop fun à chaque fois. Du coup, j'ai ma première, je vais à fond. Recherche, ok.
Bon. Bah voilà, les gars, donc ça va. Ça, c'est les petites missions. C'est quoi ça? Stand de tir. Ah ouais, stand de tir. Je me demande c'était quoi sur la carte. Bref, sur ce, les gars, je vous oublie pas. Petit pouce bleu de vous abonner, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour votre prochaine aventure. Tchuss!